Le président guinéen déchu, Alpha Condé, est parvenu à quitter le pays. Lundi, un responsable du ministère des Affaires étrangères a révélé sous couvert d'anonymat que le chef d'État avait embarqué dans un avion privé direction les Émirats Arabes Unis. À la fin du mois de décembre dernier, la junte militaire avait donné son accord pour que M. Condé, 83 ans, puisse quitter la Guinée pour passer des examens médicaux. Président du pays depuis près de 11 ans, Alpha Condé a été renversé par les militaires le 5 septembre 2021. Ces derniers, dirigés par le colonel Mamadi Doumbouya, ont détenu le chef d'État pendant 12 jours. Ensuite, Alpha Condé a été autorisé à résider chez son épouse dans la banlieue de Conakry, la capitale. Une libération exigée par la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, tout comme la tenue d'élections dans les 6 mois qui ont suivi le coup. Investi président de la transition, le colonel Doumbouya promet toujours un scrutin pour rendre le pouvoir aux civils, mais à ce jour, la date reste inconnue.